Salut les amis, comment ça va? Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir Konami qui s'intéresse à PES et qui pour le Black Friday nous a tout simplement gratifié de packs, de packs, de packs transparents. Et ils n'ont pas fait de packs, hein, ils sont complètement nuls Konami, Black Friday, rien à foutre, hein, eux, rien à secouer. Ils ont rien mis. Il n'y a pas de pack, il n'y a rien. Pas de légende, pas de club. On a juste des petits packs d'européennes, voilà. Avec moi, j'ai la star montante. Parce que maintenant, tout le monde me parle que de lui. On a le Titi Comedy Club. Salut mon Titi! Bah dis bonjour! Bonjour. Voilà, oh là, le Titi mort de rire. Ouais, je suis en première div. Alors les gars, le problème, c'est que là, c'est-à-dire que toute la semaine, je vais me faire fistouille. Alors là, ça va être fistouille, fistouille, fistouille toute la semaine. Ça, donc je passe de la div 5 à la div 1. Voilà. Donc j'ai fini deuxième de div 5 à 477 points, le premier à JOCR. Alors lui, il est plus dans le game. Le premier, lui, il était over the rainbow. Je sais pas comment il a fait l'autre. Voilà quoi. Bah, on récupère un petit peu de GP, ça fait toujours plaisir. Alors je vais vous expliquer ce que j'avais prévu aujourd'hui, les amis. J'avais prévu en fait de faire un pack opening. Et à chaque pack, à chaque ouverture, Titi raconte une blague. Si je rigole, c'est lui qui l'ouvre. Si je rigole pas, c'est moi qui l'ouvre. Comme vous savez, Titi, au niveau de la chance, on n'est pas sur un délire. J'ai eu T'as Koulibaly. eu une fois Koulibaly en 10 packs, donc la ramène pas trop, quand même. Mais le problème, c'est que vu les packs, j'ai pas envie de packer, tu vois. On a un pack à ouvrir quand même. Donc tu vas nous faire une blague. Si je rigole, c'est lui qui l'ouvre. Si je rigole pas, bah c'est moi qui l'ouvre, tout simplement. Salut CS Constantine. Alors vas-y Titi, bien fort, approche et pas peur. Dans un hôpital de fous, joue aux cartes, soudain, une infirmière arrive avec une seringue. L'un des deux fous s'écrie: Tiens, voilà la dame de pique. Je crois que je l'ai mal fait. Mais il est mort de rire! T'as C'est même... rigolé? Mais j'ai pas rigolé à ta blague! Non, mais Dommage! c'est à moi. Non, non, c'est pas à toi! Si. La blague, elle est toute claquée! Allez, mec, elle est nulle sa blague! Non, non, j'ai pas rigolé! J'étais triste, j'avais envie de pleurer! On va en faire deux après! On va en faire deux! Voilà, c'est ça le concept du Titi Comedy Club! Mais arrêtez de rigoler, c'était nul! Bah voilà. Non, non, c'est moi qui l'ouvre celle-là, j'ai Bah au pas. pire on vote hein. On vote rien du tout! Ils vont voter pour toi! Salut Kelvin! Allez, On on l'ouvre! vote. On vote pas! Le prochain, on le refait! On va en ouvrir deux après. Allez. T'auras rien de toute Allez, façon. allez, allez. Elle est énorme. Mais non, elle est nulle. Arrêtez, les gars. Vous êtes des vendus. Vous en entendez bien, Titi? En Italie? Mais t'auras rien. Attends. T'es nul. La boule noire! Oh, la boule noire! Bon, je crois que c'est complètement claqué, hein. Oh, Manolas! Oh là 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 là, la chatte! La chatte à Dédé qui est présente, mon Titi! Mais check, fais pas ton rageux! Allez, ah! Hey, la Black Ball dans le pack offert! Ah, si ça, c'est pas beau! Et derrière, on a la Lana! Et je ne connais pas. Bon, bah, ça fait plaisir, un petit Manolas. Bon, on va en ouvrir deux avec des GP parce que voilà, Titi, faut quand même qu'il nous fasse du spectacle. Merci, Titi! Titi, est-ce que t'es prêt? Ok, bien fort. Hein. Quand tu veux. Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l'homme tombe à l'eau et se noie. Quelle est la race du chien? Le Pékinois. Vas-y, tout claquer. Là. Oh, mais il les raconte trop mal! Bon, bah, Titi, c'est à toi de l'ouvrir. Hein. Titi, il se bat, hein. Titi, il est là, les amis. Ils sont morts de rire. Ils sont pas si là, t'as mérité de l'ouvrir. T'as intérêt d'avoir un bon truc, Titi. Hein. Il est énorme. Allez, Titi, couvre! Allez, c'est parti! Elle est connue et claquée, Titi. Alors, attention! Espagne! La crotte. Oh, Titi! C'est qui ça? Moi je veux faire un duo avec Titi. Oh bah là Julia et Titi, hein, c'est l'extinction de la boule de la terre là. Je suis en boule sur mon canapé. Parero! Ouais, Parero! Alors il est MR, il est second attaquant. T'as pas loupé grand-chose, tu vois.
Bon, on en fait un dernier, hein, parce que j'ai pas envie de mettre des pièces. Donc on va la faire en GP et ça va me mettre à ce que là j'ai qu'à 57 000 GP. Allez Titi, fais ta meilleure, fais la meilleure que t'as. Et bien fort. Il n'y en a plus de meilleure. Mais si, il y en a des meilleures. Vas-y, bien fort. Quelle est la plus intelligente? La blonde, la rousse ou la brune? La rousse parce que c'est un dictionnaire. Mais là, il est mort de rire, c'est trop. Elle est claquée, il explose. Non, non, touffe pas. La blague, elle est claquée, il est mort de rire. En plus, tu l'as dit trop vite. Prends ton temps. Ouais, voilà, regarde, les mêmes, ils rigolent même pas. Ah non, Titi. Ah, Titi, ça se fait trop pas. Ça se fait trop pas ce que t'as fait. Il a appuyé. T'as C'est pas moi, appuyé, c'est toi, escroc. mais c'est Non, toi. je te jure, touffe plus de pas, t'es puni. T'es puni, sauf si on a Cristiano Ronaldo. Titi! Sandro! Ah, oh, Sandro, on l'a déjà! Oh là là! On l'a déjà! Ah non, là, il sort! Bah ouais! C'est quoi cette blague? Ah ouais, ma parente derrière, on est. Eh, hey, la Juve, vous avez vu ça? Blague pourrie! Bon, bonne carte! Je vous dis que c'est pas clair, ils sont ouf! Oh, le Sandro, les amis! Eh, derrière, on a peut-être un truc, hein! Ah, on a Falcao! Oh, Falcao énorme, hein! En attaquant, là! Je reconnais. Bon, on va peut-être faire un petit match. J'avais l'idée, les amis. À chaque but, les amis, Titi raconte une blague. Mais là, en div 1, à mon avis, je vais me faire fistouiller. Je vais me faire fistouiller, les amis. Ouais, ça, c'est chiant, ça, franchement. Ils font chier avec leur forme C, là. Ouais, je vais les laisser devant, j'en ai rien à foutre. Ah, il veut une blague, Titi. Allez, vas-y. Alors, l'autre jour, j'ai raconté une blague sur Carrefour, mais elle n'a pas super marché. Tu vas sortir. Tu vas être viré de la pièce, hein. On va faire comme s'il avait rien dit, les mecs. Même Konami me sait pas, mais grave, je te jure. Les mecs, ils sont en réunion, tu sais. Il a. Eh, Jean Miyazaki, on. Parce que c'est des Japonais, tu vois. Eh, Jean Miyazaki, on met qui cette semaine? Ben, je sais pas, moi. Mais il n'y a pas un truc le vendredi, là? Non, non, t'inquiète, on le saurait. Ouais, y a le Black Friday, espèce de con. Et bim, le gros but, mais bien sûr, mais bien sûr. Et du coup, une petite blague. Et une petite blague, allez, Titi! Alors, comment appelle-t-on un nain qui distribue le courrier? Un truand, car c'est un imposteur. Arrête! Il est hors jeu, il est hors jeu! Oh la carotte, mes carottes, GG pour la blague. Le bonjour au frère Soso, jamais il passe le bonjour. Oh la carotte! Bien fort, Titi! Et tu fais la pause. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin de Noël. T'as compris au moins? Bah oui. Oui! Bah oui, il est fou lui! Nous on se fait pas douiller les gars! La blague de Titi tout de suite! À fond! Vas-y sur le micro là! Oh, attendez, faut qu'il la retrouve déjà. L'autre, il me dit quoi? Il me dit, attends, faut que je la retrouve. Ah, c'est bon. Tu connais le parfum Pur Hasard? Non. Alors tu mets ton doigt dans ton derrière, puis tu le sens. Et si ça sent bon, c'est du pur hasard. Mais non, les gars, j'en peux plus. Une autre. Ah non. Et j'arrive à marquer avec sa blague. Mais là, il me sort des blagues, il met des doigts dans le fion et tout. Mais il est fou ce garçon, quoi. Il est fou cet enfant, les gars. Arrêtez-le. Appelez ses parents. Ah bah, il y a une blague, t'as mis 3. Je suis obligé de couper le live car je rigole trop. Je suis au boulot, je vais me faire cramer. Il y a la protection de l'enfance en route. Ah, ça fait plaisir, une petite victoire. C'est vrai. Vas-y. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite. Tu trouves pas que ça pue un peu dans le couloir? Mais elle est connue de ouf! Sky Mexico, il va te signaler. Je vois pas qui je peux avoir de mieux à packer là dans le pack. Oh, match spécial! Allez, Cela. argent 1. Bon, normalement, il est à notre portée. Peut-être la 9e victoire d'affilée. Oh, énorme, énorme. Oh non, il n'y a pas faux. Mais il prend le ballon. Oh là là.
Ouais, Konami, ouais, ils vont annoncer le Black Friday la semaine prochaine, les amis, vous allez voir. La semaine prochaine, vendredi, ils vont dire, ah les gamins, Black Friday. Oh le bâtard, il m'a ken. Oh le bâtard. Quelle est la différence entre un ascenseur et une cigarette? Il n'y en a pas, tous les deux font descendre. Oh, la boulette. Putain, il est, je sais pas, je le trouve bizarre comment il joue, lui. Oh putain, je me fais ken. Allez, l'enculade. Une petite blague. Allez, le 2-1. Deux blagues. Allez, Titi. Langage devant Titi. Ouais, excusez-moi, les amis. Qu'est-ce qu'un roux sur une bicyclette? Un trois roues. Mais laisse-les répondre. Oh oui, c'est vrai. Mais... Allez, le 3-1. Non, moi, non. Derrière, faut pas que je fasse la saucisse. Oh, il l'envoie au deuxième. Et là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Pff, ah, ça me rend ouf. Allez, une blague. Quel est l'animal qui a le plus de dents? Je le sentais que ça allait arriver. La quoi? La petite souris. Qui a le plus de dents, tu vois. C'est vrai que c'est bien pourri comme Titi. On va pas se mentir. C'est des blagues de maternelle, ça. Tout à l'heure, il nous sort des trucs avec les fesses et tout. Et là, il nous sort petite souris. Oh, ce que j'ai loupé comme occasion. C'est bon. Ouais, son gardien, il fait 4 arrêts. Le mien, il en fait 1. Là, où, là est la différence. Aïe. Attention, fais pas ça. Ça bouge tout après. Quels sont les fruits que nous trouvons dans toutes les maisons? Oui, mais c'est quoi la réponse? Les coins et les murs. Alors, on va faire comme si on n'avait rien entendu, Titi. Ce sera mieux, je pense. Attends, avale déjà, respire. Parce que là, on n'a rien compris. Deux hommes sont tombés dans une fosse sceptique. Ils en ont jusqu'en dessous la lèvre inférieure. L'un d'eux dit, je pense qu'on va mourir. Comment ça, déclare l'autre, j'ai envie de chier. Non, non, non. Oh non, oh non, oh non. Tu l'as compris, moi? Va trop. J'en étais sûr. En fait, ils ont dans une fosse sceptique. D'accord? Oui. C'est-à-dire, il y a plein de caca dans la fosse sceptique. Oui. Et en fait, ils en ont jusque-là. Oui. Et l'autre, il dit, je crois qu'on va mourir. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire caca? S'il fait caca, ça va remplir encore plus. Ils vont mourir. Malaise TV. Allez, Mbappé shit. T'as Mbappé dans une équipe 3 étoiles, j'ai envie de m'ouvrir. Pff, allez, casse-toi. Lui, j'ai envie de l'insulter, les gars, je le dis direct. Allez, 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 allez. Et voilà, ça commence. Ah, j'ai envie de l'insulter. J'ai envie de le traiter, les gars, je vous le dis. Ah, bâtard! Oh, j'en peux plus de ces arbitres. Le gars, il arrête l'action en contre, sur un contre. Mais non. Oh, si celui-là, il est pas beau. D'où il y a du triangle, là, mon pote? D'où il y a du triangle, ici? Jamais de triangle. De crayon? Jamais de triangle. Oh là, le bâtard. Oh, le bâtard. Bien! Ouais, franchement, c'est un truc de fou. L'autre, il avait une équipe en 3 étoiles, mon frère. Regardez les stats: 8 tirs, 6 cadrés, 2 buts. Mais mes joueurs, ils font, mes gardiens, il faut aucun arrêt. Merci d'avoir été là. Je vous fais d'énormes bisous. Cœur sur vous, mes petites merguez. Et puis, du coup, il y aura bien sûr la rediff sur la chaîne principale. Bonne soirée, les amis. Ciao, ciao!